Là, il va pas pleuvoir normalement au Qatar, ça devrait aller. Bon, par contre, je ferai qu'une seule saison, hein, du coup, sur ce jeu, je pense que c'est suffisant déjà pour se faire un avis sur le jeu. Et j'aurai pas le temps de finir une deuxième saison, de toute façon. Fin de contrat pour Lewis. Pour Lewis. Ah oui, oui, pour Max aussi? Attends. Attendez, j'ai envie de faire un truc là. Si je prends un mec random, je sais pas qui, par exemple, un mec qui est pas en Formule 1, Arthur Leclerc, tiens. Si je prends Arthur Leclerc, négociation pour lui, c'est bon, je lui dis, tu gagnes 1 million, il va gagner, proposer un contrat. Attends, voiture 1, du coup, voilà, durée de contrat une saison. Si je lui propose 100 000. Est-ce qu'il va kiffer? Non, je pense pas quand même. 100 000, ça serait abusé, quoi. Réponse reçue. Contrat refusé. Connard. Vas-y, bah attends. On va augmenter le prix alors. Vas-y, 1 million, allez. Allez, Arthur, fais pas ton rat là. Tu vas conduire pour Mercedes, c'est prestigieux. Je te propose un contrat maintenant en plus. Donc c'est bon quoi. Ah, il refuse parce que c'est qu'une saison. Ok, bah ça marche. 2 saisons alors. C'est trop. Quoi? Contrat refusé? Il veut combien de saisons? Il est fou lui. 3 saisons? Bah je m'en fous, je fais qu'une saison moi de toute façon. Vas-y, 3 saisons. Mais pardon! C'est trop long. Quoi? Il pense sérieusement à la retraite? Mais c'est une blague. Donc en fait, il veut quoi? Il veut une saison? Mais c'est un débile. Arthur Leclerc est débile. Dans le jeu, en tout cas. Et puis autre représentant. Nombre de saisons auxquelles. Hein, ça me convient pas. Mais ta race, au pire. On lui en met 2 saisons. Ça lui convient ou pas? Ça lui convient pas. C'est trop long. Je pense sérieusement à la retraite. Bon, vas-y, on va augmenter le salaire. Allez, 2 millions. Je suis sympa, hein. 2 millions, il a rien prouvé, le gars, quand même. Hein. Il a rien prouvé, 2 millions. Hein. 2 millions, il a rien prouvé. Je suis sympa. Hein. Salut, Sébastien. J'essaie de virer Max et de mettre Arthur Leclerc à sa place. Réponse reçue. Et me... Ah oui, bon, c'est bon. Voilà, embauché, allez. Il va perdre patience, on va. Excusez-moi, hein. Le mec est pilote Mercedes. Il a rien prouvé. Je crois que bon, il a pas à se plaindre. Hein. Donc, du coup, ça fait que Max Verstappen n'est plus en F1 en fait. Bon, là, on a créé un monstre encore. Hein. Max Verstappen n'est plus en Formule 1. Max Verstappen n'est plus pilote. Max Verstappen n'est plus là. C'est terrible. On a viré Max de la Formule 1. C'est incroyable. Attends, il n'y a plus de suspension encore. Voilà, je vais être endetté de ouf. En fait, on peut s'endetter de façon illimitée sur ce jeu. Enfin, c'est un peu con d'ailleurs. Mais... Allez, Arthur Leclerc, encore un changement de pilote chez Mercedes. Salut Alvin. C'est quoi ça? Ok. Regardez Max Verstappen qui a été viré par Toto Wolff. Ben oui, Max Verstappen ne fait pas le boulot. Toto Wolff a décidé de le virer. Donc où est Max Verstappen? Est-ce qu'il est reparti chez Red Bull? Je sais pas, du coup. Et pour moi, il est plus en F1 parce que Arthur Leclerc n'avait pas de baquet en Formule 1. Donc, ouais, c'est toujours Russell chez Red Bull. Je regarde quand même, mais. Non, il est plus là. On a viré Max Verstappen de la saison. Alors là, c'est le move maximum, quoi. Arthur Leclerc et les deux frères Leclerc en Formule 1, les gars. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est beau, hein? Allez, on simule tout. Il y a un sprint, du coup, là.
Le nombre de peinards encore qui vont se prendre. Oh là là, Fernando Alonso premier, la blague. Lol. Surtout quand, bon, en fin de saison 2023, Aston Martin, c'était plus trop ça. Hein. C'est pas très réaliste. Hein. Allez, le sprint. Alors, ah oui, du coup, hein? Al! Ah, c'est bizarre, ouais, c'est Arthur Leclerc, d'accord, oui, bah oui, pour pas que ça soit Lec. Ok, ouais, bah c'est logique, ouais. ALE, ouais. Faut pas qu'on confonde avec Lec, de chez Ferrari. Voilà, bah y'a plus Verstappen, les gars, hein. Je l'ai viré de la Formule 1, du coup, hein. C'est un move magistral, hein. L'humiliation totale pour Max Verstappen qui se fait virer de chez Mercedes. C'est un peu n'importe quoi quand même, parce qu'au final, le mec avait même pas fini son année de contrat. Il le vire sans aucune contrepartie en plus. C'est un peu bizarre quand même. Hein. C'est pas très réaliste. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, Hamilton est en médium, mais je crains que ça ne suffise pas trop. Même pas du tout. Ouais, Leclerc, Arthur, il va vraiment être mauvais, quoi. Il va être dernier, en fait. Il est trop lent. Il est mauvais, hein. Le rookie. On pardonne ça, rookie. Ouais, bon, bah le sprint est à oublier, clairement. Ils sont en quoi les autres là? Ils sont tous en soft, putain. Bah, Hamilton revient, mais... Ah, drapeau jaune, il a gagné une place. Ouais, mais de toute façon, c'est les 8 premiers. Il n'y a aucun moment où on fait top 8 avec la Mercedes actuelle, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Il revenait sur la fin parce que les softs s'usaient, mais au final... Ça n'aura pas suffi. Bon, on va passer à la course. Ça sera peut-être mieux. Ouais, on peut finir ou pas là? Allez, hop. On finit ça, cette purge énorme. Russell qui s'impose encore. Il va finir par jouer le championnat, lui, si ça continue. Leclerc 6e seulement. Ouais. Le fameux pneu hard du début. Mais putain, ils vont se prendre une péna tous là. C'est parti! Allez, Whisky, déjà, perd une place. Très bien, commence bien. Je ferai trois courses aujourd'hui. C'est la deuxième, là, du coup. On en fera une troisième tout à l'heure, et hop, on s'en ira. On s'en ira.
de ce live. Bon alors, du coup, j'imagine que... Oula. Oui. Oui. Ok. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Non mais le jeu a bugué en fait. Le jeu a littéralement bugué. C'est une blague en fait. Oh putain, mais c'est de la merde ce jeu. Oh là là. Je peux rien faire, sérieusement. C'est quoi ce bordel là? J'essaie d'ouvrir ça, ça marche pas. Il n'y a plus rien qui répond. Non mais c'est une blague en fait. Je peux pas accélérer à fond en plus. Oh putain, mais quelle merde. On va faire comment là? On doit quitter et revenir. Putain, sérieusement quoi, ça m'énerve. Va chier le jeu là. C'est ridicule, putain. Ah, ça me gonfle, les jeux comme ça, hein, fait avec le cul là. Et je dois refaire le sprint en plus, je suis sûr en plus. Bah, c'est relou, franchement. Ah, la perte de temps, quoi. Heureusement qu'on venait de commencer la course normale. Hein. Je suis sûr que je vais devoir me taper le sprint en plus. Ah, peut-être pas. 21h03. Ouais, non, ça devrait aller, je pense. On va être à la course à nouveau. Non, c'est bon. Ouf, on se retape pas le sprint de merde. Ouais, bah alors, du coup, j'ose pas trop ouvrir le truc en haut parce que si ça replante encore. Super quoi. Génialissime. Putain, Arthur Leclerc qui se fait atomiser par tout le monde. Oh! Ah, il s'est fait victimiser là comme une merde. Nick débris. Ok, encore un beau crash. Ah non, c'est Tsunoda d'ailleurs le 22, je crois. Ouais, c'était Tsunoda. Debris, il est 11e. Toujours là, hein, Nick DeVries. Nick DeVries. Pénalité. Hein? Pourquoi il dit. L'autre, il dit tu écopes d'une pénalité? Dudley qui dit ça à Arthur Leclerc alors que c'est Tsunoda qui a la pena. Ouais, vas-y, je cherche même pas à comprendre s'il y a un problème avec ce jeu quand même. Il y a encore quelques bugs hein, qui auraient dû être réglés depuis le temps. Hein. Enfin bref. Du coup, mes concurrents, ils ont quoi comme pneus? Putain, les pneus soft, ils s'usent à une vitesse par contre. C'est violent. Hein. Un jeu de qualité, heureusement que je vais pas acheter ça, ouais. Oh. Il vaut bien c'est 1 € sur le Xbox Pass là. Hein. Clairement. Hein. Il vaut 1 € le jeu. Hein. Putain, Lewis, il était au cul de Vries et là il a reperdu du temps. J'ai pas compris là ce qui s'est passé. Il est revenu à son contact maintenant. Si tu du coup pouvais le dépasser, c'est Ocon qui le dépasse. C'est super. Bon, génial.
Ah, ça y est, il a dépassé, les deux Alpines sont passées. Elles ont quoi les Alpines? Elles ont des médiums, ok. Putain, mais les médiums en fait ils s'usent à peine plus que les durs. C'est bizarre. Hein. Bon d'ailleurs je vais l'arrêter. Oui alors non. Putain, il va le gêner. Ah, c'est bon. Je vais l'arrêter aussi, lui, du coup. Oh, il a des dégâts, Arthur, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a le numéro 26, lui, d'ailleurs. Oh, le numéro 26 sur la Mercedes, ça fait bizarre. Ouais, bloque Tsunoda, c'est bien. Bon, on va voir combien ça tient les pneus là. Putain, il est bloqué derrière une Williams maintenant. Pff, génial là. D'ailleurs, c'est à combien le moteur et tout là? 65, 68, 60, 56. Et lui? Ouais, bon, ça va encore. Yellow flag. Ah. J'ai l'impression que Lewis a gagné des places. Logan est l'as. Oh là là, quel beau crash! Quel magnifique bracing! Quel magnifique crash encore une fois auquel nous assistons ici. Je demande de safety car s'il vous plaît. Un autre pilote s'est bloqué. Bah safety car du coup. Allez là. Bon, au moins Lewis a la voie libre. Il a personne devant lui. Pénalité pour Sargent. Ah! Ils ont pas DNF les deux, hein, mine de rien. Oh, Arthur, il est mauvais quand même. Il est très 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 mauvais. Hein. Terrible. Hein. Nous sommes déjà à mi-course dans cette course. Et je ne rattrape pas les concurrents devant moi. Ça va faire un doublé Red Bull ou quoi là encore? Au sol devant Perez. Devant, ils sont en soft Albon, ils résistent avec 36% de soft. Putain, je sais pas comment il fait. Hein. Belle perf hein, quand même. Hein. Hamilton n'arrive même pas à revenir quoi, putain. C'est honteux quoi. Peut-être que du coup c'est le manque d'agressivité sur les pneus peut-être. Je sais pas, je vais augmenter, on va voir. Ah putain, Gasly il a sauté Albono. Mais il va s'effondrer Albon là. Il va falloir qu'il rentre. Ça y rentre. Tout comme Hülkenberg. Alors, Norris est rentré aussi. Il reste combien? 19 tours. Ils sont à quoi les autres là? En médium, ok.
Sergent doit s'arrêter, ok. Je serais tenté de finir en soft, mais j'ai peur que ça tienne pas, quoi. Historique des pneus. Genre, je ressais, j'ai fait 17 tours. Oh, en vrai, si, ça pourrait tenir, je pense. Mais finir en soft, ça pourrait peut-être le faire, en vrai. On va faire ça. Secondes d'arrêt. Toujours des problèmes chez Mercedes, hein, au passage. Mort de rire, quoi. Gasly se retrouve à nouveau coincé derrière Albon. Mort de rire. Oui, il a fait un bel arrêt, lui. Putain, mais Lewis, rattrape-les là! Merde! Ah, voilà, ça y est, enfin! Putain, oui, il rattrape bien là. Allez, push! Allez, allez, Gasly est encore bloqué, il faut rattraper là! Push, push, push! Donne tout! Voilà, c'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait, le pilote. 2 secondes, c'est bon. Ouais, par contre, les essences vont se calmer. Et ça aussi, du coup. Faut juste qu'il ait à le DRS et c'est parfait. Oh, 40% de. Oh là, ouais, c'est. C'est un peu limite, là, quand même, hein. Ils ont quoi, là? Bon, attention, c'est presque fini. Malheureusement. Ah ouais, Gasly, pareil, à niveau pneu. Allez Lewis, putain, il est pas très loin Albon pour les points, c'est rageant. Oh, il a plus de DRS, non. L'enfer. Ah, fait chier. Putain, les points étaient pas loin, hein. 1 seconde, quoi. Bon, dommage. Et Arthur, tu respectes le matériel, s'il te plaît. C'est bon, quoi. Hein. Au bout d'un moment, stop. Putain, j'ai encore raté le classement. Pilote principaux. Ah oui, non. Ok. Et bah encore une belle course de merde, hein. Enfin moins pire que celle précédente, mais pas ouf quand même. Austin, prochain rendez-vous.